Yo, Poitiers, le guide AP National arrive chez vous. Voilà. Le guide arrive chez vous, Poitiers. Là, on va décoller, là. Voilà le guide. Le guide. Voilà. Direction Poitiers, on a 5 heures de route, hein, frère. 5 heures de route. Voilà. Le guide arrive à Lyon. Et on dit Poitiers, c'est Lyon, on va à Lyon, on dit Poitiers. C'est Lyon, voilà, on va à Lyon. Voilà. Le guide, attends, j'ouvre. Le guide arrive à Lyon, voilà. 5 heures de route pour Lyon. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Je suis avec l'artiste, le David, l'homme le plus actualisé du monde mondial. Voilà, le AP, direction Lyon, voilà, 5 heures de route. La population de Lyon, rendez-vous tout à l'heure avec le guide, le Apoutchou National. Je serai en showcase avec Suspect 95. Ça va se savoir. Ça chauffe même pas. Voilà. Monte ça dans la voiture, on va faire un peu de vidéo dans la voiture. Y'a faux, y'a faux, y'a faux, y'a faux, y'a faux, y'a faux. Ah ouais. Oh yo. Les gars, ils ont augmenté les freins, là. Hein. Voilà. La famille. C'est là au travail. On n'est pas là pour s'amuser, on est là pour travailler. Envoyez les étoiles, envoyez les étoiles. Là. Le guide Benana. Voilà. Apoutchou, oh Zamou, Zamou, le Poutchou Pacha, descend un peu. Ah là, la famille, on dit quoi, vous allez bien? Que le Tout-Puissant t'accompagne, merci beaucoup. Envoyez les étoiles, envoyez les étoiles, envoyez les étoiles, envoyez les étoiles. Apoutchou, Zagabambo. Ça, c'est mon gars, ça. C'est Monsieur l'artiste. Zagabambo, c'est le gars, hein? Oui, ça, c'est mon frère, Zagabambo. Grand artiste chanteur. On dit quoi, la famille? Voilà, nous, on part à Lyon. On s'en va travailler. Bonne chance à toi, mon artiste. Merci beaucoup, Zaga. C'est de ça qu'il s'agit. On s'en va en showcase un peu, là, voilà. On va aller essayer d'ambiancer un peu la population de Lyon. C'est de ça qu'il s'agit. À tout Lyon, rendez-vous tout à l'heure, 95. Ça va, je suis en maudit. On est quoi, la famille? Vous allez bien, non? Voilà, hier, on a fait notre émission tranquille. Ce qui est sûr, on est sur le chemin que Dieu a tracé. Au bout de l'effort, il y a la récompense. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on se bat pour pouvoir être assis demain à la table des rois. Voilà. La détermination, le travail, la bataille, la persévérance. Ça fait partie de notre vie et de notre quotidien. C'est ce que nous, on sait faire de mieux, c'est de travailler. Attendez, saluer un peu quelques-uns de mes abonnés là. Envoyez les étoiles, la famille, vous êtes silencieux ce matin là. Où sont les étoiles là? Où sont les étoiles? On ne peut aimer les étoiles comme... Oh, Blaise, merci beaucoup pour les étoiles. Tu as foutaise. Chaque jour, je t'envoie étoiles, tu ne dis pas merci. Eh, pardon. J'ai dit merci à tous ceux qui m'envoient les étoiles. Luc. Comment il s'appelle? Luc Stéphane. Luc Stéphane. Zambrul. Pardon, pardon. Envoie-moi les étoiles, pardon, mon champion. Apoutchou. Zamou, Zamou. Merci beaucoup à Igor pour les étoiles. Igor, merci beaucoup pour les étoiles. Voilà. Donc, la famille, j'espère que vous allez bien. Par la grâce. Merci beaucoup à Lille Cadio pour les 200 étoiles. Merci beaucoup à Lille Cadio. Voilà, merci pour les... Merci beaucoup à Kamel. Et Kamel Oussou, elle envoie toujours étoiles. Que Dieu te bénisse, Kamel Oussou. Bravo, le wave. C'est l'agent seul qui t'intéresse. Quel agent? Attendez, toi, tu veux que tu bloques ou bien c'est quoi? On t'attend ici, fiston. Merci beaucoup. On t'attend. Merci beaucoup. Bonne route. Merci beaucoup. Merci à Ibrahim Condé. Merci beaucoup pour les étoiles. Voilà, merci ma nation.
Merci mes abonnés. Merci à Lali Lala. Merci beaucoup pour les étoiles d'or. Voilà. Donc la famille, c'est le Poutou Pacha. C'est le national, c'est le Viking, c'est le berger. Voilà, comme vous le savez maintenant, il y a trop de noms, il y a trop d'appellations. Voilà, désormais appelez-moi Stéphane Agbré, le miel de Paris, le Hapoutou national, le paracétamol des réseaux sociaux, monsieur le guide. Celui-là même qui est le berger des brebis égarées, j'ai ajouté maintenant dessus, maintenant appelez-moi David. C'est de ça qu'il s'agit, ça ne chauffe pas. Je suis en Jaïr. Bonne route, mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Lali Lala. Merci pour les 519 étoiles qu'elle vient d'envoyer. Lali Lala. Merci beaucoup pour les 519 étoiles. Voilà. C'est toutes ces personnes-là, c'est vous qui contribuez aujourd'hui à pouvoir m'aider à avancer. Voilà. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si je fais mon petit bonhomme de chemin, c'est grâce à vous. Je ne suis pas arrivé et je ne vais jamais arriver. Voilà. Parce que dans le sens que on continue toujours de se surpasser, de pouvoir donner le meilleur de soi. Voilà. Laisse le téléphone, tu es avec les enfants. Donc vraiment que Dieu continue encore de vous bénir, à vous qui contribuez chaque jour que Dieu fait, à pouvoir m'aider. Merci beaucoup. Donc la population de Lyon, apprêtez-vous, Hapoutou National arrive. Tous les dieux morts de Lyon. Voilà, tous ceux qui sont les champions à Lyon, les championnes. Tous ceux qui aiment le guide, tous ceux qui aiment le Poutou Patia. Déplacez-vous massivement tout à l'heure. Voilà, réservez déjà vos salons, réservez déjà vos tables. On va venir s'amuser ensemble, c'est de ça qu'il s'agit. Ça chauffe pas, ça donne pas le lait. On dit Poutou Patia arrive. On dit le paracétamol arrive. On dit le guide arrive. On dit le berger arrive. Est-ce que ça peut man? Ça peut jamais man. C'est de ça qu'il s'agit. Cool. Après Lyon, on va à Poitiers. Voilà. Hapoutou National fait une réunion pour parler avec votre bureau. Il n'y a pas de problème tout à l'heure, Inch'Allah. Fait bon voyage. Merci beaucoup, non. Voilà. Donc, après Lyon, on sera à Poitiers. Après Poitiers, on sera où? Là, on joue dans le 91, le 20. Non, là après Lyon, c'est le 20, on joue dans le 91. Après le 19, on joue à Poitiers. Et après le 4, on joue sur Paris. Et ensuite, on va à Abidjan. Mais comment le 19 Le 19 après, c'est le 20. Non, ouais. Le 20 après le 19. Ouais. Non, le 19 et puis après le 20. Le 19 à Poitiers. Après le 20, maintenant, on joue dans le 91. Flora Boulata, merci beaucoup pour les étoiles. Merci beaucoup, la plus belle pour les étoiles. Voilà, donc la famille, c'était juste un petit direct ce matin pour vous dire bonjour. Voilà. Je vous dis que le Hapoutou National se porte bien par la grâce de Dieu. Le guide est là. Le guide va bien. Et puis, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, que Dieu veille sur chacun de vous. Bonne journée à tout le monde. Et puis, rendez-vous tout à l'heure à Lyon. Moi, avec mon jeune frère, Suspect 95. Ça sera du balèze. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ça sera du balèze. Donc, apprêtez-vous. Mon fils dit à celui qui dit, tu n'aimes pas l'argent là. Qu'il voulait que tu aimes quoi? Hey Adama, comment c'est ça? Oh? On dit j'aime l'argent. Je demande à mes abonnés de m'envoyer étoile. On dit j'aime l'argent. Ben, si les abonnés ne peuvent pas contribuer à me faire avancer, comment je vais faire pour pouvoir avancer? C'est pour que vous soyez fiers de moi demain, pour que vous puissiez dire à qui veut l'entendre que Hapoutou National, c'est nous qui avons contribué à ce qu'il soit là. C'est de ça que je le dis toujours. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui va dire non, bon. Aujourd'hui, je suis arrivé, je m'en fous. Les abonnés, machin. Moi, je respecte tout le monde. Même les faux profits, je les respecte. Parce que parmi les faux profits, même, il y a les autorités. Il y a les ministres, il y a les députés, il y a les présidents, il y a les généraux. Tout le monde est là. Les généraux. Mon gars, tu es là pour me contredire. Même, tu es là pour me maudia. Donc, la famille, apprêtez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. L'homme de l'année, AP National, dit David. Il y a ça, chauffe pas. Désormais, c'est David. Je vais accélérer les amis que mon papa. C'est David qui est là. C'est le berger de tous les brebis égarés. C'est-à-dire que ceux qui ne se trouvent pas sur le bon chemin, là, moi, il vient pour les mater. Ça ne chauffe même pas. Nous, on mate la rébellion, mais on mate la rébellion dans la paix du Seigneur, dans le respect et dans la côte. Dans la courtoisie, maudia. Ce qui est sûr, c'est de ça qu'il s'agit. David, fais attention à toi, les brebis égarés.
Christ a envoyé. Non, toi aussi. Il n'y a pas qu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui peut envoyer quelqu'un. Il arrive à l'homme ce que Dieu permet. Rien ne peut arriver à un être humain si Dieu ne l'a pas décidé. Donc tout ce qui se fait là, c'est zéro. Il arrive à l'homme ce que Dieu permet. Donc la famille, soyez sans crainte. Voilà. C'est David qui est devant vous. C'est moi. Ça ne chauffe même pas, ça ne donne pas le lait. Ce n'est pas le même level. C'est le haut niveau. Voilà. Je suis dans le game. T'es où ça a pris? Comment ça s'appelle même? Cannes Kevin. Non, je suis en train de partir à Lyon là. Voilà, je vais à Lyon pour aller travailler. Je vais à Lyon pour travailler un peu. Voilà, comme ce soir ici, il y a des prestations artistiques. Un artiste qui ne connaît pas son programme. Ouais. Moi, c'est un alpha fou là. Fou lui. Lui, ça en a combien de programmes? Tu penses que moi, je dois connaître mon programme? Tu penses qu'il y a un manager, c'est pour moi? En tout cas. Feliciano, merci beaucoup pour les 530 étoiles, Feliciano. Merci pour les 530 étoiles. Merci beaucoup à Chalamou. Chalamou Tata. Je ne sais pas si c'est le même Chalamou Tata là, mais bon, c'est question. Merci quand même pour les 500, pour les 50 étoiles. Quelle partie de Lyon? C'est quelle partie de Lyon là, Yason, quelle partie encore? Ah, c'est question à Lyon. Bon, c'est question, on arrive à Lyon. Ils sont quelle partie là, moi, je ne sais pas. Faut te renseigner là-bas. Je ne suis jamais arrivé à Lyon, c'est la première fois que j'arrive à Lyon. Donc, il ne sait pas c'est quelle partie de Lyon. C'est qu'est-ce que Lyon, nous, on arrive. Ça ne chauffe pas. Ça t'a flashé. Moudia. Ça m'a flashé. Toi, tu n'as jamais vu quitter une grande population que toi. Non. Afano Fadoul, merci beaucoup pour les étoiles. Pour le Togo, c'est Boucan. Bientôt, Inch'Allah, peut-être, sera au Togo. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent m'inviter dans les différents pays, vous pouvez rentrer en contact avec mon manager. Donne ton numéro là. 06. Voilà, 06 98 98 72 72 96 96 62 62. Voilà, pour tous ceux qui veulent rentrer en contact avec moi pour un showcase, qui veulent m'inviter dans leur ville ou bien soit dans leur pays, voilà. Vous pouvez rentrer directement en contact avec mon manager. C'est de ça qu'il s'agit. Donc apprêtez-vous. Et puis en ensemble, ne réponds pas à celui qui dit qu'il connaît pas ton. T'inquiète même pas. Dino. Dino Igor, merci beaucoup pour les 200 étoiles. Voilà. Merci à tout le monde, les familles. Il faut courir avec jusqu'à la. Ils ne connaissent pas. Ils pensent que c'est le même level. Ils n'ont pas vu la chose venir, mais ça les a dépassés. Nous, là, on veut atteindre le paroxysme. Voilà. Nous, on est là pour travailler. On est là pour se surpasser. On est là pour être des exemples. On est là pour pouvoir, même pour essayer même d'être des exemples. Voilà. On est là pour montrer le chemin. On est là pour dire, voici comment il faut faire. Voici le travail. Les gens nous ont trop menti. Ils nous ont dit que pour être célèbre, il faut insulter. Pour être célèbre, il faut dénigrer. Pour être célèbre, il faut insulter maman, papa. On n'a pas payé ça. Aujourd'hui, je suis venu renverser toute la situation. Je suis venu montrer comment faire le blog. Je suis venu révolutionner le milieu du blog. C'est de ça qu'il s'agit. Et avec votre soutien, je pense que nous allons le faire. Pour que la nouvelle génération qui va suivre derrière, ils vont se dire que, ah, désormais, voici ce qu'on doit faire, voici ce qu'on doit faire. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce combat que je mène aujourd'hui, c'est un combat dans le but de rehausser l'image des blogueurs et influenceurs sur la toile. Voilà. C'est dans le but de montrer à la face du monde entier que les Africains, désormais, voilà, ne vont plus s'adonner à certaines choses. Surtout ceux qui ont envie d'avancer dans ce milieu-là. Quoi. Ceux qui les prennent au sérieux comme moi. Parce que, comme je l'ai dit, moi, c'est mon travail. Voilà. Aujourd'hui, je vis des réseaux sociaux. Je vis de Facebook. Voilà, donc c'est un travail, c'est un métier, donc je ne m'amuse pas avec quelque chose qui me donne à manger. Ce qui me donne à manger là, je continue de me battre pour pouvoir me surpasser encore, pour pouvoir grimper. C'est comme cela. Bah, Facebook, c'est comme aujourd'hui une entreprise. Quand tu travailles dans une entreprise, tu peux quitter de vigile à être serveur, quitter de serveur à peut-être être secrétaire, quitter de secrétaire à pouvoir avoir un poste. Un matin, tu peux devenir directeur de l'entreprise. C'est comme ça, la vie, c'est les étapes. Voilà. Donc si hier, dans le passé, j'étais dans la boue, je passais mon temps à insulter, à dénigrer, aujourd'hui, avec l'âge que je prends, avec aujourd'hui la sagesse qui m'anime, avec aujourd'hui le nombre de personnes qui sont en train de contribuer à me faire avancer, aujourd'hui avec Maurice Lemola, M Group, voilà, qui est devenu mon producteur, je ne peux qu'aujourd'hui
Voilà, essayez de donner le meilleur de moi dans le but de ne pas vous décevoir. Voilà. Donc, je continue de me battre pour avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme Dieu est grand, je pense que là, Dieu est avec moi. Il a toujours été avec moi. Donc, petit à petit, je sais qu'on va arriver. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le chemin est encore long, mais je suis armé comme un soldat. Voilà. Et puis, rien ni personne ne peut me dissuader ou bien m'enlever de mes objectifs. Jamais de la vie. Parce que devant moi, là, c'est Dieu. Au milieu, c'est ma mère. Et puis, derrière, ce sont mes abonnés. Donc, là, je suis armé comme un soldat. Il n'y a rien. Devant moi, c'est Dieu. Au milieu, c'est ma mère. Et puis, derrière, c'est mes abonnés. C'est ma nouvelle devise. Donc, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas aucun. Mes abonnés, ils ont fait bouclier derrière. Vous avez fait bouclier derrière. Vous me soutenez, vous êtes derrière. Vous partagez, vous mettez le cœur. Vous êtes toujours là. Il n'y a pas aucun. C'est vrai que moi-même, là, dans ma carrière artistique, là, je vais chanter pour les abonnés de Facebook. Je serai le premier artiste à le faire. Dans mon album qui arrive, là, je vais chanter pour vous. Que ce soit pour les faux profils, que ce soit pour vous qui commentez, vous qui mettez le cœur, vous que chaque matin, d'autres personnes se lèvent aujourd'hui et on vous insulte parce que vous avez écrit tel ou tel commentaire. Aujourd'hui, quand tu commences à voir la cote de popularité, c'est là que tu as commencé à dire que non, ce n'est pas les abonnés qui me nourrissent, ce n'est pas les abonnés qui font quoi. Mais c'est les abonnés qui nous font. Si aujourd'hui, il n'y a personne pour te regarder, tu peux devenir quoi? Tu peux rien devenir. Tu vas éteindre ton téléphone, tu vas t'asseoir. Donc, je dois chanter pour vous dans ce monde-là. Donc, moi, j'ai chanté pour les abonnés. Même si je n'ai pas dit le nom d'un abonné, mais j'ai chanté pour dire merci à tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Parce que c'est vous qui contribuez à nous faire avancer. Parmi vous, là, il y a d'autres qui prennent les 1000 francs, les 500 francs, qui sont souscrits Internet. Qui viennent nous regarder et puis on va venir les insulter encore dessus. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Voilà. Les gens vont aller prendre les 1000 francs, ils vont payer leur wifi, ils vont payer leur connexion. Ils vont venir s'asseoir pour te regarder dans le but de pouvoir te donner à manger. Et toi encore, tu vas venir encore par derrière encore pour leur parler mal. Mais c'est que toi, tu cherches quoi? C'est que ce que tu comptes dessus là, toi seul, tu vas faire ça. Donc moi, comme je sais que. Je vis de Facebook et que c'est mes abonnés qui me font. Je ne peux que vous apporter du respect. Je ne peux que vous considérer. Jamais de la vie, moi, je vais m'asseoir sur Internet ici pour dire que moi, je m'en fous des abonnés, que si ce n'est pas Facebook, là, vous ne pouvez pas parler à moi. Ça ne peut jamais sortir de ma bouche. Mais c'est à cause de Facebook que je suis ce que je suis. Voilà. Normalement, c'est moi qui dois vous dire, si ce n'est pas parler, c'est Facebook, moi, je ne dois pas vous parler. Sinon, ce n'est pas moi qui vais venir dire que non, si ce n'est pas Facebook là, vous ne pouvez pas me parler comme ça. Jamais de la vie. Au contraire, c'est moi qui dois dire si ce n'est pas Facebook là, moi je ne peux pas vous parler. Parce que c'est vous qui me mettez en haut. Vous partagez mes directs, vous mettez les cœurs. Est-ce que vous êtes obligé de me suivre? Il y a tellement d'influenceurs, de blogueurs sur la toile. Mais vous prenez votre temps à venir me regarder en direct. Donc, je vais venir m'asseoir aujourd'hui parce que j'ai une petite cote de popularité, parce que je sors sur les RFI, les Femmes 24. Donc, je vais venir me gonfler maintenant pour dire bon, je suis arrivé. Je m'en fous des abonnés. Adama, tu as oublié ton passé. Ça ne peut pas sortir. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà. Les mêmes 100 francs, 10 francs que vous prenez pour aller souscrire connexion, pour que vous puissiez venir me regarder là. Que Dieu continue encore de vous donner ces moyens-là, afin que nous puissions être toujours en harmonie et en joie. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, le même Dieu qui vous donne 1000 francs, 2000, 3000, 10 000 là, qui puisse les multiplier par 10, par 20, par 100, pour qu'à chaque fois vous ayez connexion, et quand ici en direct, vous ne demandez même pas de partager, vous mettez les cœurs. Voilà. Que le Dieu Tout-Puissant qui est assis sur son trône là, de la même manière que vous contribuez à me faire avancer là, que Dieu aussi vous fasse avancer aussi comme ça aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, rendez-vous tout à l'heure à Lyon pour un showcase, pour une soirée, pour vraiment, pour qu'ensemble, nous puissions nous amuser pour qu'ensemble nous puissions vraiment profiter comme il se doit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, appelez-moi le guide, appelez-moi le paracétamol, appelez-moi le viking, appelez-moi désormais le berger, appelez-moi David. Voilà, parce qu'il s'est venu révolutionner le milieu des blogueurs. Je vais dire merci ici à une maman qui s'appelle Rosie Augéry. Nous n'allions